Sous la couette, c'est moi, Chelsea Ryan. Et je déteste me lever le matin. Arrête de squatter la salle de bain, je vais le dire à maman. La fille derrière la porte, c'est Angel, ma grande sœur. Et elle est vraiment casse-pied. L'ours mal réveillé qui sort de sa chambre, c'est Brian, mon frère. Le reste du temps, c'est un sportif, genre balourd, quoi. Elle se brosse les cheveux pendant une heure tous les jours. Je serais eux, je tomberais de sa tête. Pose cette brosse immédiatement! Moi aussi, j'ai besoin de la salle de bain le matin. Eh ben, lève-toi la première, alors. Brian! Eh oui, il n'y a pas à dire. Être l'enfant du milieu, c'est l'éclate. Elle, c'est ma mère. Elle est rarement à la maison et quand elle est là, elle m'ignore. Sauf quand j'ai fait quelque chose de mal, bien sûr. Chelsea, viens déjeuner. Ton père s'en va dans 5 minutes. Essaie de te dépêcher un peu le matin pour ne pas nous mettre tous en retard. Ouais, c'est vrai, t'es égoïste. Toi, on t'a pas parlé. Vu la situation, tu ferais mieux de te faire oublier. Mon père, il vient d'avoir une promotion. Donc, bientôt, ma mère sera beaucoup plus souvent à la maison. C'est super! Elle pourra passer encore plus de temps avec ma grande sœur. Ça, c'est mon école, le lycée Fairfield. C'est ici que tout a commencé. Bonne journée. Salut, papa. Quoi? Vous croyez que j'ai dit ça pour faire genre? C'était le début d'un nouveau commencement. Le mien. Je vous laisse découvrir mon histoire. Mais suivez-la bien, que je n'ai pas à vous la raconter une deuxième fois. C'est vrai? Je pensais pas que ça aurait. Oui, c'est vrai. Bon, c'était en juillet. Oh, je ris très fort pour qu'on me regarde. Non, mais comment ils font pour supporter cette fille? C'est la reine des abeilles. Elle a toujours sa cour autour d'elle. Non, c'est plutôt la reine des vipères. Steph. Quoi? Ça vous fait pas rêver d'être tout le temps entourée? D'être constamment le centre d'attention? Oh si, je rêve d'être une dinde de basse-cour. Et de glousser toute la journée. Est-ce que vous pouvez être méchante? On ne te suffit pas comme amie, nous deux? Mais si, mais je me dis que ça doit être agréable. Oui, ben si tu deviens du genre trouve-toi d'autres copines parce que tu ne me verras plus. C'est une promesse. Oh. Nous avons beaucoup parlé du capitaine, mais il ne faut pas oublier la baleine. Elle représente le défi que le personnage principal doit relever. Il y met tout son cœur parce que c'est l'œuvre de sa vie. Alors, quelqu'un peut-il me donner le nom de son auteur et l'année où il a été écrit? Personne ne le sait? Allons, vous le savez forcément. Vous avez bien fait vos devoirs, non? Alors... Je t'écoute, Valérie. Herman Melville a écrit Moby Dick. Excusez-moi. En 1851. Voilà la réponse que j'attendais. Je trouve que ça mérite une petite récompense. C'est ça.
va, Valérie? Qui a osé? Vous avez vu sa tête? J'ai cru qu'elle allait exploser. Regardez, lui porte son plateau. Tu viens, oui? Chelsea, tu veux bien venir au tableau nous résoudre l'équation? C'est parfait, tu peux retourner t'asseoir. Et Chelsea, tu viendras me voir à la fin du cours. Pourquoi elle veut te parler? Bah vas-y, on t'attend dehors, d'accord? D'accord. Je viens de corriger les interros de la semaine dernière. Et venant de toi, je suis un peu déçue. J'ai seulement un D? Ça n'est pas dans tes habitudes de rater une interro. Tu es l'une des meilleures de la classe. C'est pourquoi je te donne une nouvelle chance. Alors, je veux que tu recommences depuis le début sans utiliser ton livre. Et cette fois, tu réponds bien. Je t'ai rajouté des questions à la fin. Elles ne sont pas faciles, mais ça remontera ta moyenne. Merci, Madame King. Concentre-toi. Et tout ira bien. Et au lieu de rêvasser, sois un peu plus attentive au cours. Sinon, je te colle devant moi au premier rang. Pas trop dur? Non, c'était rien. Cool. J'espère que tu mens pas. Moi? Vous mentir jamais. Mesdemoiselles, le concours annuel des jeunes filles modèles va commencer. Matt Damon est là? Mieux que ça. T'as entendu? On va aller à Miss Perfection. Je me demande qui va gagner cette année. Bah, une fille populaire et bien sous tout rapport, comme à chaque fois. Pas vrai, Chelsea? Chelsea, 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 Chelsea. Oui, comme à chaque fois. Ouais. Nous te remercions, Seigneur, pour ce délicieux repas que nous allons prendre. Amen. 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 Aujourd'hui, j'ai bien assuré à l'entraînement. Le coach m'a même félicité, tu sais. Formidable. Par contre, aujourd'hui, j'avais pas mon maillot. Du coup, j'ai eu droit à une petite réflexion. Je l'ai lavé. Il est dans ta pile de linge. Et ta recherche d'appartement? J'en ai repéré quelques-uns, mais je voudrais trouver moins cher, tu comprends? Excellente idée. Oui. Pourquoi pas une colocation? Pourquoi ça te fait rire? Qui voudrait se mettre en colocation avec toi? Hé, hey, ne sois pas méchante avec ta sœur. C'est assez pitoyable. Étant donné que mademoiselle n'a pas d'amis, elle s'imagine que pour moi c'est pareil. J'ai des amis. Ouais, t'as deux copines. C'est bon. Thank you.
vu mon maillot de foot, Chelsea? Mon maillot, c'est pas toi qui l'as? Maman pense qu'il est dans ta pile. J'en sais rien. Je te préviens, je vais fouiller. J'en ai besoin pour aujourd'hui. Je te défends de toucher à mes affaires. Je te défends de toucher à mes affaires. Ouais, c'est ça. Je corrige et je te donne ta note. Bien. Tu n'as pas regardé dans ton cahier. Dans ce cas... Alors, comment se fait-il que tu ne m'aies pas rendu ça la première fois? Écoute, Chelsea, il va falloir que tu apprennes à fournir un effort constant sur la durée. Il paraît évident que tu as toutes les capacités requises. Mais si je vois encore un dé à l'avenir, je serai obligée de prévenir tes parents. Bien, madame. Va t'asseoir. Je vous rappelle qu'il y aura une réunion à l'auditorium à 11h. Tout le monde est concerné. Ça sera tout. Bien, je vous remercie d'être venu. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet de la plus haute importance. Tu sais qui se présente cette année? Non, on n'a rien dit. Les jeunes filles modèles. Et... Comme son nom l'indique, c'est un concours uniquement réservé aux jeunes filles. Messieurs, désolé, mais il vous reste le foot. Football, à où? Il y aura bien sûr une magnifique récompense comme tous les ans. Et à partir de cette année, la gagnante des jeunes filles modèles sera annoncée lors de la prochaine fête du printemps qui aura lieu sur la plage. Et il est temps maintenant de laisser la place à notre vice-principale, Madame Smoutis. Bonjour! Alors j'espère que vous êtes toutes impatientes de défendre votre titre. Pour parler plus en détail de la compétition, nous avons deux anciennes gagnantes, Miss Jeune Fille Modèle 98 et 99. Bonjour. Salut les filles. Mesdemoiselles qui allaient perpétuer l'une de nos traditions les plus anciennes et les plus respectables, il faut de grandes qualités pour se présenter et encore de plus grandes qualités pour gagner. D'ailleurs, celle qui sera élue... La gagnante aura le privilège de partir à Washington défendre son titre lors de la compétition internationale et vous pourrez emmener deux personnes avec vous. Les formulaires d'inscription seront à retirer au secrétariat dès demain. Et tout le monde ici peut remporter ce concours. Alors, qui que vous soyez, tentez votre chance. Oui, enfin, certaines personnes possèdent naturellement des prédispositions qui leur donneront plus de chances de gagner. Et seules ces jeunes filles à la personnalité... Non, ça suffit. Arrêtez avec ça. Tout le monde peut se présenter. Donnez-moi ça. Miss Jeune Fille Modèle 98 et 99, on les applaudit. C'est toi qui vas gagner, Valérie. Bien sûr, t'es tellement loin au-dessus des autres. Tu es populaire, belle et en plus intelligente. Non, arrête, c'est vrai. Même si tu n'as pas tort. Parce que je sais que j'ai toutes les qualités nécessaires. Bon, et toi, Jess, tu vas te présenter aussi? C'est vrai que j'avais pensé à ma... Jess! J'ai une idée, les filles. Et on peut savoir laquelle? Chelsea va s'inscrire au concours des jeunes filles modèles. Quoi? Je n'ai aucune chance de gagner. Elle a raison. Non, pas elle, toi. Regardez, Valérie. Elle a toujours plein de monde autour d'elle. Elle ne peut pas perdre. Je ne veux pas lui donner l'occasion de m'humilier. Toi aussi, tu aurais plein de monde autour de toi si tu n'étais pas aussi discrète. Moi, je dis que tu as tes chances. Super. Oui, tu gagnes et on part toutes les trois à Washington. Vous croyez vraiment que je peux gagner? Pour le savoir, il faut essayer. Je crois pas que mes parents seront d'accord. Maman? Oui, Chelsea?
J'aimerais m'inscrire à une compétition à l'école. Quel genre? Ça s'appelle les jeunes filles modèles. Oh non, tu vas pas faire ça. Ça te regarde pas. Tais-toi, Brian. C'est une compétition sportive. C'est genre la fille la plus populaire du lycée et ils font ça tous les ans. C'est vrai, Chelsea? Non, ce n'est pas que la fille la plus populaire du lycée. C'est une compétition interscolaire. Il y a plusieurs épreuves et la gagnante part en finale à Washington. Chérie, je ne sais pas si tu dois perdre ton temps avec ça. C'est une activité scolaire? Oui. Non, là t'exagères. Le football est une activité scolaire. N'empêche que c'est à l'école et c'est une activité. À vrai dire, je préférais que tu te concentres sur tes études. J'ai peur que ça te perturbe. Non, je te le promets. Alors pourquoi t'as eu D+ à ton devoir de maths? Un D+? La prof m'a permis de le refaire et j'ai eu un A. Comment veux-tu rentrer dans une grande école avec des notes pareilles? Faut que tu travailles, c'est important d'avoir des bonnes notes. Il n'y a pas que ça non plus. C'est ta priorité, est-ce que c'est clair? Tu ne feras pas ce concours. Maman, s'il te plaît. J'ai dit non, inutile de discuter. Alors Brian peut jouer au foot, mais moi je peux pas faire ce qui me plaît. Ouais, c'est parce qu'il m'aime plus que toi. S'il te plaît. Je travaillerai plus pour rattraper. Non, un point c'est tout. Bonjour, tu veux des céréales? Je me débrouille. Travaille bien à l'école. Ça s'est mal passé avec tes parents, hein? J'ai même pas pu leur expliquer. Ils ont écouté ce que leur a dit ma sœur. Qu'est-ce qu'elle leur a dit encore? Que c'était pour élire la plus populaire du lycée. Donc voilà, en résumé, c'est qu'une perte de temps. C'est qu'une perte de temps pour toi, Eva, allez. Si tu n'es pas dans mon cercle d'amis, personne ne te connaît. Ça veut dire que tu n'as aucune chance. Tu sais que tu n'es pas la seule à pouvoir remporter ce concours. Tu vois ma copine Jess? C'est ton amie, et alors? Déjà qu'elle n'a aucune chance. Ne vous faites pas d'illusions. Hé hey. Comment tu t'appelles? Quoi? Je veux savoir comment la gagnante des jeunes filles modèles s'appelle. Mais je peux pas m'inscrire. Parce que tes parents te l'ont interdit. Imagine que tu gagnes. Ça leur prouvera que ce n'est pas un simple concours idiot ou une perte de temps. Parce que la roue tourne et je vais me faire un plaisir de le lui montrer. Si ses parents sont au courant, elle peut avoir de gros problèmes. Tu crois que ça en vaut la peine? Pour gagner, il faut prendre des risques. C'est facile à dire quand on n'en prend aucun. Peut-être, mais c'est à toi de voir. Voici votre formulaire d'inscription. Pour être accepté dans la compétition, vous devez recueillir autant de signatures que possible avant la fin du délai. Pourquoi? Nous avons trop de candidatures cette année. Il faut sélectionner. Disons que ça nous permet d'opérer un petit tri. C'est quand la fin du délai? Voyons voir, aujourd'hui on est mercredi. C'est demain à 16h. Quoi? Allez au travail. À rendre demain. Merci. Ça commence mal. Des signatures? Il en faut combien? Assez pour être sélectionné. Et il paraît qu'il y a plus de 200 candidates. C'est pas un problème. On va s'y mettre après le déjeuner. Ouais. Écoute-moi. Après chaque cours, tu sors dans le couloir, demander des signatures. D'accord, je peux bien essayer. Eh ben, espérons que ce sera suffisant. Salut, je m'appelle Chelsea. Bonjour, je suis Chelsea. C'est ça, oui. Salut, je m'appelle Chelsea. Je suis Chelsea. On perd du temps pour rien, là. Il nous faut un autre moyen. Je m'appelle Chelsea. J'adore tes baskets. Tu veux bien signer? D'accord. Tu veux une sucette? Oui, merci. Sarah, qui t'a donné la sucette? C'est elle. Salut, je peux avoir une sucette, moi aussi? Bien sûr, oui.
Merci. Tu veux bien signer ma feuille? Oh, bien sûr, tiens. Oui. Merci. Excellente idée. On va les avoir, nos signatures, même si on doit les payer. Merci. Eh bien, regardez... Pas aujourd'hui. D'accord, on fait la trêve. Bon. Qu'est-ce qui t'arrive? Mauvaise journée. T'as eu du mal à avoir tes signatures? Comment tu le sais? Tu me prends pour un imbécile. Je te rappelle qu'on est dans le même lycée, Einstein. Promets-moi de pas le dire aux parents. Je ne vais pas leur dire. J'ai trop envie de te voir perdre. Ah, ah. J'ai pas fait exprès. Mais mon silence ne sera pas gratuit. Après tout, ce serait peut-être encore plus drôle de te dénoncer. Bon, d'accord, dis-moi ce que tu veux. Que tu passes l'aspiro dans ma chambre pendant un mois. Très bien. Et autre chose, toutes mes corvées de ménage, c'est toi qui t'en occupes. T'es nul. Je porte le poids du mensonge. Ah. Un dernier truc. C'est quoi? Je veux que tu viennes à mon entraînement un après-midi. J'ai besoin de temps pour le concours parce que je veux gagner. Vouloir gagner, c'est une chose. Pouvoir, c'en est une autre. Votez Chelsea! Tous pour Chelsea! Jess, on a le droit de faire ça? Je n'ai vu écrit nulle part qu'on n'avait pas le droit. Et d'un point de vue légal, rien n'interdit de distribuer des sucettes. Les gens sont libres de signer ou non? Je trouve que c'est quand même de la triche. Pour gagner, il faut prendre des risques. Merci d'avoir signé. Chelsea, venez mettre autour de vous. Une voix, une sucette. Une voix, une sucette? Trop mignon! Une voix, une sucette. Votez pour Chelsea. Tiens, viens mettre ton nom. Merci. Non, mais cette fille est folle. Elle s'imagine cool. Qu'elle peut me battre. Tiens. Moi, à sa place, mais j'aurais honte. Ça fait mal au cœur. J'ai de la peine pour elle. Oui, c'est d'un ridicule. Merci. Je vous remercie. Et en particulier ma mère et mon père, et ma grande sœur, un peu moins mon petit frère, ma tante et mes oncles, madame la principale, mes amis Stéphanie et Tina, madame King. Chelsea, à table. Alors, Chelsea, quoi de neuf au lycée? Quelque chose d'intéressant à raconter? Ben non, rien de spécial. C'était comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est rien. Il y avait un peu d'eau par terre et Brian a glissé. Ouais. J'ai glissé. Thank you.
casque. Félicitations. Et à moi. Félicitations. Merci. Félicitations pour ton inscription au concours. Oui, c'est validé. J'en suis ravie. Madame King. Oui? Ça fait quoi d'être élue jeune fille modèle? Enfin bon, si vous vous en souvenez. Oh! Pourquoi ça remonte à si loin que ça? Oh, ça a été magique. L'un des moments les plus forts de ma vie. Ça te fera pareil, tu Madame verras. Madame King? Oui? Est-ce que Chelsea Ryan est toujours dans votre salle de classe? Oui, elle est là. Vous voulez bien l'envoyer à l'auditorium, je vous prie? Merci. Bon, tu as entendu? Chelsea? Ton sac? Mesdemoiselles! Silence, je vous prie! Alors, asseyez-vous, mesdemoiselles! Bonjour! Tout d'abord, je vous félicite pour avoir franchi cette première étape. Ainsi que vous le savez, une vraie Miss doit savoir faire preuve d'intelligence, de sensibilité et avoir l'esprit d'équipe. Il y aura 3 épreuves à passer pour gagner la compétition. Tout d'abord, un contrôle des connaissances. Parce que celle qui aura l'honneur de porter nos couleurs à Washington doit figurer parmi nos élèves les plus brillantes. Oui. On doit le faire quand? Lors de votre 2e heure de cours demain matin. Vos professeurs ont tous été prévenus. Sur quoi ça va porter? Sur tout ce qui a pu être abordé au cours de votre scolarité. Ça peut concerner ce que vous avez appris hier, comme quelque chose qui date de la maternelle. Quoi? Ce contrôle servira à vous départager. Et seuls 10 d'entre vous pourront continuer jusqu'à la prochaine étape. Excellente journée à toutes et bonne chance pour demain. C'est tout, merci. Un contrôle sur tout ce qu'on a étudié? Attends, c'est pas possible, t'as à peine le temps de te préparer. J'ai jusqu'à demain matin pour réviser. Il faut que vous m'aidiez. Oui, pas de problème. On devrait réviser les maths en premier. C'est là où j'ai le plus Moi, de mal. Je suis nulle en maths. Il vaut mieux commencer par Même ça. Même pas un bonjour? Pardon, maman, bonjour. Ça va, Madame bonjour, Ryan? Bonjour, Madame Ryan. Les filles, vous êtes si pressée? Oui, on a un devoir à préparer pour l'école. Allez, venez. Chelsea, à table. Mangez sans moi, j'ai pas faim. Tu dois manger. Je prendrai un bon petit déj demain. Qu'est-ce que vous faites là-dedans, les filles? Tu peux me laisser réviser? D'accord, je te mets une assiette dans le four, mais tu me promets de tout manger. Promis. Et attention à l'heure, ne tardez pas trop. Bien, madame. Tu stresses? J'espère qu'elle va réussir. On n'a plus qu'à croiser les doigts. Comment ça se fait que t'es encore debout? Je travaille. Toi, tu travailles. Pourquoi t'es pas venue dîner? J'avais du travail. Tu travailles? Pourquoi faire? Pour ressembler à ma grande sœur. T'inquiète, tout va bien se passer. Oui, t'en fais pas, t'es la meilleure. Oui, bon, essaie de pas trop te planter. Bon, puisqu'il faut que j'y aille. T'es inquiète pour l'interro? Non, pourquoi? Oui, je suis bête. À tout à l'heure. Réussis bien. Ok. Salut, Chelsea. Salut. Bonne chance. Merci. Vous y êtes? Bien. À mon signal, vous aurez exactement 1 heure.
on ne chuchote pas, on ne regarde pas sur la copie de la voisine et on écrit lisiblement pour ceux qui corrigent. Bonne chance à toutes. Attention, allez-y. Reposez vos crayons. J'avais passé ma nuit à réviser. J'avais travaillé comme jamais de ma vie. Mais est-ce que ça suffirait? Est-ce que ça valait la peine de mentir à mes parents? Alors, t'as réussi? T'es tombée du lit? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bonjour à toi aussi. Oh, à chaque fois, ils commandent des cochonneries. Bonjour. Bonjour, mon chéri. Alors, le dîner hier soir? Hein? Ben, la prochaine fois, c'est moi qui le prépare, promis. Quoi, je sais faire la cuisine? Mais oui. Si c'est votre nom que j'appelle, merci de vous lever. Valérie Keaton. Cathy Smith. Rebecca Taylor. Eugénie Valentino. Denise Sweet. Savannah Lewis. Carly Mitchell. Cheyenne Johnson. Christy Solomon. Et Chelsea Ryan. Désolée pour les autres et bonne chance à vous. Ça va être quoi la prochaine étape? Je parie que ce sera encore un test idiot. Si tu trouves ce concours stupide, pourquoi t'es aussi impliquée? On n'a pas besoin de ton aide, tu sais. Oui, ben, j'ai mes raisons. Si tu joues un double jeu et que tu te moques d'elle, je te promets que tu t'en tireras pas comme ça. Oui? Eh ben vas-y, raconte. Tu vas me faire quoi au juste? Et pour l'épreuve suivante, vous êtes invitée à monter sur scène pour montrer à... On doit faire un spectacle? Oui, Valérie, un spectacle. Vous avez exactement 2 semaines pour vous préparer. Notre jury spécial choisira 5 d'entre vous pour continuer. Alors, la suite? Vous allez pas le croire. On t'écoute? On doit faire un numéro. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as qu'à résoudre un problème de maths, vu que c'est le seul domaine dans lequel tu es douée. Salut Valérie. Salut sale traître. Bonjour Valérie. Ça va, hein? C'est pas la peine de faire ta gentille. Tu me fais beaucoup plus d'ombre que je ne l'avais imaginé. Tant mieux. Mais Jess peut t'aider autant qu'elle veut. Tu ne me voleras pas mon titre. C'est la meilleure qu'il mérite. Et qui est la meilleure? Quoi, ça n'est pas évident? Bien sûr que si, voyons, c'est toi. Je la plains, la pauvre. Elle va être déçue. Oh, tu viens Tina, il faut que tu m'aides à réviser pour demain. Viens là. Tu devrais y aller, non? Ça m'ennuie qu'elle t'embête comme ça. J'ai l'habitude, t'en fais pas. C'est parce que t'es une concurrente redoutable. En fait, elle a très peur que tu gagnes. Ce serait cool. Moi, je comprends pas trop. Ça doit être un truc de fille. Enfin, pourquoi c'est si important pour toi? Pourquoi c'est important? Tu vois ce que tu ressens quand ton équipe remporte un championnat? Pas là, c'est pareil. Oui, mais on reçoit un trophée. Vous avez quoi? Tu es super connue au lycée. Moi, personne sait qui je suis. Et alors? J'aimerais être populaire, qu'on me regarde comme tu regardes Valérie. Mais tu sais, être connu n'a pas que des avantages. Bon, il faut que je me dépêche avant qu'elle lève le nez de son nombril et qu'elle voie que je ne suis pas là. Mais qu'est-ce qu'elle t'apporte? En fait, je me pose moi aussi la question. Qu'est-ce qu'il est mignon, lui? Oui, bon d'accord, il est pas mal. Oh, allez, dis-le qu'il te plaît. Il ne faut pas lui faire confiance. Je te parie qu'il est envoyé par Valérie. Et il ne peut pas s'intéresser à Chelsea? Bien sûr que non. Ah bon? Et pourquoi? Je te cherchais... Qu'est-ce que tu faisais?
Comment ça? Pourquoi tu parlais avec elle? Je lui ai juste dit bonne chance. Pardon. Je voulais seulement... Le titre de Miss m'appartient. Et toi aussi, tu m'appartiens. Tu devrais t'en souvenir. J'ai été assez claire. Maintenant, si tu tiens tant que ça à lui parler, essaye au moins de te rendre utile en apprenant des infos sur elle, d'accord? Tu es jalouse, c'est tout. Je dis seulement qu'il vaut mieux être prudente. Elle n'a peut-être pas tort. Tu crois vraiment que Valérie ferait ça? Elle a peur à ce point-là? Elle a encore plus peur que tu ne penses. Au moins là-dessus, on est d'accord. Ça veut dire qu'on doit se méfier de tout. Toujours la première, Valérie, ma meilleure élève. Tu fais ce que je te dis, d'accord? Mais Val, j'ai pas envie de faire ça. Arrête de discuter. Tu le fais et c'est tout. Très bien. Hé, hey, salut. Salut, ça va? Oui, j'attends que ça reprenne. On peut attendre ensemble? Ben, pourquoi pas. Sinon, ça va le concours? Moyen, je sais pas encore quoi présenter comme numéro. Qu'est-ce que tu sais faire? Rien du tout, c'est ça le problème. Il y a bien un truc pour lequel t'es douée. Il paraît que je chantais bien quand j'étais petite, mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais non, ça revient vite. Tu vas chanter? Ben quoi, tout le monde me disait que j'avais une belle voix. C'était Jean quand t'avais 5 ans et t'as pas chanté depuis. T'es sûre que c'est une bonne idée? Ben, je vois pas quoi faire à part ça. T'as intérêt à répéter alors. Bonjour les filles. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Les autorisations parentales. On a été tellement débordés qu'on a oublié de les distribuer. C'est à faire signer par les parents? Oui. D'ailleurs, vos parents sont les bienvenus au spectacle. C'est la moindre des choses. Oh, il y a l'invitation et l'autorisation sur la même feuille. Ça, c'est moi qui en ai eu l'idée. Merci, Madame Valkyrie. Je crois que c'est la fin d'un beau rêve. Quoi? Il faut qu'elle fasse signer la feuille à ses parents et ils lui ont formellement interdit de s'inscrire. C'est nul, on était tout près du but. Non, mais c'est une blague. Quoi, vous êtes prête à laisser tomber? Pourquoi c'est toujours moi qui dois vous motiver? Ben, comment je peux faire pour continuer? Tu fais en sorte que tes parents signent sans lire ce qui a marqué. Ça marchera jamais. Tu veux gagner ce concours ou pas? Bien sûr, mais pas en mentant à mes parents. Tu ne mens pas s'ils ont la flemme de lire. C'est eux les fautifs, toi t'y es pour rien. Ok? Ok, c'est vrai, mais n'empêche... Mais n'empêche que rien. N'essaie pas de te défiler. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Moi non plus. Je veux bien essayer, mais s'il demande à lire, c'est fini pour moi. Une chance sur deux. Il paraît que ses parents ne savent pas, ça peut nous servir. Je suis en train de bosser. Ben, t'as qu'à bosser pendant que je regarde la télé. Personne ne semble pouvoir l'arrêter. Merci beaucoup. Ouais. On m'a dit pour ton interro, ou je sais pas quoi, félicitations. Arrête, j'ai horreur de ça. À table, les enfants. Oh. Papa, j'ai une feuille à te faire signer pour l'école. Tu peux le faire, s'il te plaît? D'accord, donne-la-moi que je la lise. Oh, non, ne perds pas ton temps, il suffit juste que tu la signes. J'aurai ça après dîner. Ok. Tiens, ton père a signé ça pour toi. Oh, super, merci. Tes vieux recueils de chansons, où tu les as trouvés? Je savais même pas que tu les avais encore.
Peut-être que j'aurais pas dû les sortir du placard. Ne dis pas ça, tu as une voix magnifique. Oh, celle-là, c'était ma préférée. Tu vas me faire la tête encore longtemps? Je tombe du sommeil. Faites beaux rêves. À demain. Je vous demande à tous d'applaudir Valérie qui s'est qualifiée au concours des jeunes filles modèles. Et Chelsea, elle a aussi réussi, elle. Bien, ça suffit, ça suffit. Merci. J'ai oublié, je suis désolée. Tu avais dit que tu viendrais me voir jouer à l'entraînement. Oui, c'est promis. Ça faisait partie du marché. Mais sinon, je peux encore parler aux parents. Je viendrai à ton prochain entraînement, c'est quand? Jeudi. Très bien, j'y serai. Cool. Je suis sûre que ça te plaira plus que tu ne le crois. Quoi? Bonne nuit. Bonne nuit. Salut, Chelsea. Salut. Waouh, tu es magnifique. Merci. Alors, c'est le grand jour, comment tu te sens? Pétrifiée. Et comment va Valérie? Oh, elle n'est pas du genre à stresser. Quoi, elle n'a même pas un peu le trac? Ben... Bon, à plus tard. Salut. Je sais que je vais gagner. Il faut seulement que j'élimine l'autre fille. Et comment tu vas l'éliminer? En l'empêchant de se présenter. Ça tombe bien, elle est pile derrière toi. Donne-moi ton plateau. Dis-moi quand elle sera en train de passer. Maintenant. Oh, oups, désolée. Ça part pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Valérie, elle a renversé son plateau sur ma robe. Elle l'a fait exprès. Le spectacle commence juste après le déjeuner. Je peux pas y aller avec une tache en plein milieu, j'aurais l'air idiote. J'ai un pull dans mon casier, je peux te le prêter? Oui, viens l'essayer. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est couvrant. Oui. J'espère que ça passera. À tout à l'heure. On croise les doigts. Salut, Jess. Salut. Salut, les filles. On peut savoir ce que tu fabriquais? Tu te cachais? Non. Je réglais quelques petits détails. Christy, t'aurais pas vu mes chaussons de danse? Non. T'aurais pas vu mes chaussons de danse? Non. Il y a mes initiales dessus. Bande de tricheuses. Pardon, excusez-moi. Désolé, il faut que je passe. Pardon, mademoiselle. Voilà. Excusez-moi. Bip, bip. Merci à vous.
Fais mieux si tu y arrives. C'est Chelsea. Super bien chanté. Ouais, félicitations, tu m'as impressionné. Bravo, t'as été formidable. J'étais sûre que tu y arriverais. J'ai jamais douté de toi. Je suis tellement fière de toi, t'as été super. Bravo, je suis fan de toi. Oh. Hey. C'était pas mal du tout. Dans le genre chat qui se fait tirer les moustaches. Est-ce que tu peux être bête, toi, alors? Je peux
savoir qui est en train d'étrangler un furet dans la salle de bain? Il s'agit de ta sœur, la casse-pied, qui a décidé de me faire perdre la matinée. Tu vas te dépêcher, oui, ou je vais être en retard. Ah, quand même, ça t'amuse de me faire attendre. Ben, lève-toi plutôt. Brian! Si tu veux, je te le prête. Ça va pas faire un peu trop fourni? Ou bien je le porte juste avec une chaîne? Bof, ça ne mettrait pas trop en valeur. Ou alors, il faut un top d'une couleur vive pour le contraste. Ça turquoise? Ouais, ce serait très joli. Génial! Équation, j'arrive pas à la résoudre. Désolée, mais je peux pas passer mon temps à t'aider. Il faut aussi que je travaille. Pardon de t'avoir dérangée. Bravo, mesdemoiselles. Voilà, il ne reste plus que vous en compétition. Et très honnêtement, je vous trouve absolument extraordinaires toutes les cinq. Je vous préviens, le prochain défi est un peu plus difficile. Cette fois, vous devrez faire preuve d'esprit d'initiative et présenter chacune à votre tour un projet humanitaire permettant d'aider la communauté et auquel toute l'école pourra participer. Nous choisirons les trois finalistes et le nom de la gagnante sera annoncé à la fête du printemps. C'est tout, merci. Je sais pas quoi choisir. Moi non plus. Non mais qu'est-ce qui te prend? Dis-toi bien que si t'es arrivé jusqu'ici, c'est parce que t'as eu de la chance. Et arrête de tourner autour de mon petit copain. Alors, et maintenant? Eh ben, on n'est plus que cinq. T'es arrivée en finale. Bravo, je suis super fière bon, de toi. Bon, alors, c'est quoi la suite? Je dois présenter un projet communautaire auquel toute l'école peut participer. Covoiturage. Quoi? Covoiturage. Succès garanti. Moi, je voyais plutôt un truc du genre soupe populaire à la cantine. Et ça veut dire quoi? Eh bien, on accueille les plus démunis à la cantine et tout le monde leur apporte quelque chose à manger. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas trop. Moi, je trouve ça absolument génial. Et c'est original. C'est plus intéressant que le covoiturage. Enfin bon, mon idée a besoin d'être peaufinée et pour ça, je voudrais que tu m'aides. Bien sûr, Jess. Merci, Jess. J'aurais pas pu y arriver sans toi. Oh! Ah! Chelsea? Chelsea, on redescend sur Terre. T'es prête? Tu tiendras le coup? Oui. Bien. On peut faire quelque chose pour toi? Non, c'est bon. T'as la soirée pour répéter ta présentation. J'ai promis à Brian d'aller le voir à l'entraînement et ça va commencer, donc je vous laisse. Rentrez! Allez! 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 Jusqu'au poteau! Suivant! Allez! 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 Jusqu'au poteau! Suivant! Allez! Tu sais, allez, Chelsea, allez, Jess n'est pas quelqu'un de bien. Elle fouinait dans les coulisses le jour du spectacle. C'est peut-être elle qui a volé les chaussons de danse. Elle n'aurait jamais fait ça. Comment tu peux le savoir? Je la connais, j'ai confiance en elle. Avant, t'avais confiance en nous. Là, ça devient de la jalousie. Écoute, Chelsea, en qui tu as le plus confiance? Tes deux meilleures amies ou Jess? Ce n'est pas une question de confiance. J'ai envie de gagner, c'est la seule qui puisse m'aider. C'est grâce à elle que j'en suis là. C'est grâce à elle? Qui t'a donné l'idée de te présenter alors que t'y croyais pas? Qui est resté près de toi à te soutenir? Oui. Qui sont les amis sur lesquels tu peux compter? Mais c'est une amie sur laquelle je peux compter. Alors t'as plus besoin de nous.
Salut, Chelsea. Alex, qu'est-ce que tu fais là? Je seconde le coach. Génial. En début d'année, il choisit un joueur confirmé pour aider les plus jeunes. Alors, tu connais mon frère Brian? Brian? C'est vraiment ton frère? Eh oui. Il est exubérant alors que toi, tu es... timide. Voilà. Il a dû être adopté. Et sinon, tout va bien? Oui. J'ai croisé tes copines tout à l'heure, elles faisaient une drôle de tête. Non, tout va bien. Vraiment? Oui, oui. Bon, ok. Si je voulais que tu passes ton temps à papoter avec les filles, Alex, je t'aurais mis dans l'équipe des cheerleaders. Allez, j'ai besoin de toi sur le terrain. J'y vais, on continuera plus tard. Avance une ligne. Bon, alors, c'était pas si terrible que ça, finalement, hein? Non, c'était sympa. Tu te débrouilles bien pour un débutant. T'as passé plus de temps à regarder l'assistant du coach que moi. N'importe quoi, je le regardais pas. Ah, tu vas m'attirer des ennuis. Pourquoi? T'es ma sœur, et s'il te fait pleurer, ben... je serai obligée de lui mettre la pâtée. Allez, viens. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter un autre genre d'histoire. Celle d'une superbe victoire. À l'époque où moi aussi je participais au concours de jeunes filles modèles, je n'avais que cette idée-là en tête. Gagner du terrain sur les autres candidates, jusqu'à ce qu'enfin, je prouve que j'étais la meilleure. Je vous parle de tout ça parce qu'aujourd'hui, nos 5 finalistes vont nous faire part d'un de leurs rêves. Et en leur honneur, j'aimerais que vous décriviez en quelques lignes un projet qui vous tient tout particulièrement à cœur. Bonjour à tous, je m'appelle Chelsea Ryan. Certains savent qui je suis, mais ils sont rares. L'une des choses qui m'a donné envie de participer à cette compétition, c'était son côté hautement humain. Il est de notre devoir d'aider les autres par tous les moyens. Voilà ce que je propose. Un week-end par mois, la cantine accueillera les familles défavorisées. Nous servirons des repas offerts par nos parents que nous apporterons. Ça nous donnera l'occasion de nous rapprocher en prenant part à une action concrète. Merci à tous. Voilà, ce sera tout pour la journée et je vous dis à demain soir pour vous annoncer le nom de la gagnante lors de la fête du printemps. Encore. Si c'est moi qui gagne, je te promets de t'emmener avec moi à Washington. Tu crois vraiment que Chelsea peut te faire la même promesse? C'est ce que je pensais. Tu sais qu'elle emmènera ses vraies copines. Toi, elle t'utilise. C'est ça, et tu m'as pas utilisée peut-être. Et puis j'ai une chance sur deux avec elle. Tu sais que je dis la vérité. Très bien. Mais si tu me trahis, tu me le paieras. D'accord, je te demande seulement de l'occuper quelques heures. Très bien. Qu'est-ce que vous complotez? Rien du tout. Tu m'accompagnes à la cafette? J'ai très soif. Dommage que Tina et Steph soient pas venues. Mais oublie-les un peu. Des amis qui ne veulent pas que tu gagnes. C'est pas ce que j'appelle des amis. Elles n'ont jamais dit ça. Va les essayer. Oh, tu peux me le garder? Bien sûr. Allez, va chasser face à moi. En position. C'est parti. Allez, allez, allez. Suivant. C'est parti. Allez, allez, allez. Suivant. C'est parti. Allez, allez, allez. Tu peux répondre, s'il te plaît? C'est pas le tien qui sonne. Demi-tour. Allez, allez, allez. Attention, Jess et Val veulent t'exclure de la compétition. Répondre. Viens me dire ce que t'en penses. Hé, hey, Alex, dépêche-toi, on n'a pas fini. Oui, j'arrive tout de suite. C'est magnifique. Merci, je ferai attention. À terre, prêt, vas-y, suivant. À terre, prêt, vas-y. Suivant, à terre, prêt, vas-y. Vite, allez, 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 jusqu'au bout. Salut, maman.
qu'est-ce que c'est? Félicitations, vous êtes dans les 5 finalistes. Tu t'es inscrite à ce concours alors qu'on te l'avait interdit? Tu ne comprends pas. Tu t'y es présentée, oui ou non? Oui, mais si tu savais ce que c'est, tu serais d'accord. Tu as désobéi. Et tu nous as menti. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à le croire. Tu vas en finale? Oui. Ah, Chelsea, tu es punie. Pendant un mois. Tu n'as plus le droit de sortir après l'école. Et pour demain soir, tu oublies. Mais maman, c'est demain qu'ils annoncent qui a gagné. Va dans ta chambre, maman, sans discuter. Chelsea? Chelsea, je t'admire d'avoir été sélectionnée. Et puis d'être parvenue en finale. Je sais à quel point c'est dur. Ah oui, comment tu peux le savoir? Eh bien, je le sais parce que j'ai essayé. T'as essayé quoi? De faire cette compétition. Je me suis inscrite aux jeunes filles modèles. Tu as fait quoi? Eh ben, à l'époque, j'étais encore au collège et je vous avais rien dit, surtout pas aux parents. Mais je suis pas allée bien loin. J'ai pas eu autant de succès que toi. Et c'est là que je me suis rendu compte que, manifestement, les gens m'aiment moins que je le pensais. Comment ça? Ben, ça n'a pas marché. J'ai eu la première sélection, mais ça s'est arrêté là. Alors, tu peux me croire quand je te dis que je suis fière de toi. Je sais le travail que ça t'a demandé. Maintenant, ça n'a plus aucune importance. Tu as dit à maman que c'était un concours de popularité, que c'était une perte de temps. Mais c'est la vérité. D'accord, j'aurais peut-être pas dû leur dire ça. Écoute, on rêve tous d'avoir plein d'amis et que tout le monde nous aime. Mais ce truc-là, c'est superficiel. Tu t'en rends compte au moins? Ça, c'est à moi d'en juger. J'ai travaillé pendant des jours entiers. Toi, quand tu travailles, les parents t'aiment. Ils te soutiennent à fond. Et quand je travaille dur, moi, on me punit. Ça n'a rien à voir. Les parents t'aiment aussi. Drôle de façon de le montrer. Tu veux gagner parce que tu as travaillé dur? Ou pour la notoriété qui va avec la victoire? Parce que si c'est pour ton travail, personne ne peut te l'enlever. Que tu gagnes ou pas, d'accord? Je suis fière de toi. Si maman savait à quel point c'est difficile, elle le serait aussi. Mais c'est le contraire. Je l'ai déçue. Chelsea. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais même pas de quoi tu veux parler. Pourquoi Chelsea à la tête de quelqu'un qui vient de perdre son petit chien? Je n'en sais rien, mais il y a peut-être un rapport avec Jess et Val. Pourquoi? Écoutez, j'aime bien Chelsea. Je vous jure, je ne lui ferai jamais de mal. Plus maintenant. Dis-nous au moins ce que tu sais. Je les ai vus en train de comploter. Quoi? J'ai essayé de la prévenir. Elle n'a pas dû me croire. En tout cas, faites attention à Jess. Finalement, il est pas si mal. Quoi? Toi aussi, tu craques pour lui? Arrête de dire des bêtises. Thank you.
Bonjour. Maman. J'ai quelque chose à te dire. Chelsea, ce serait plutôt à moi d'être fâchée après tout ce que tu nous as fait. Tu nous as menti. Et s'il y a une chose qui m'est insupportable, c'est que ma fille me cache la vérité. Et tu le sais. Je te demande pardon, maman. C'est vrai que j'aurais pas dû. En effet, tu m'as donné des raisons de me fâcher, mais aussi d'être extrêmement fière. Quoi ? Ta sœur m'a expliqué ce que c'était que le concours des jeunes filles modèles. Elle m'a dit à quel point c'était dur d'arriver en finale. C'est formidable, ma chérie. Ça veut dire que tu lèves ma punition. Non. Oh, j'oubliais. Je pense que tu vas en avoir besoin. Il n'est pas question que je laisse mon erreur de jugement priver ma fille de la récompense qu'elle mérite. Tu n'es plus fâchée contre moi? Si, je suis en colère. Tu es toujours punie pour avoir désobéi. Mais on va faire une exception. Je t'aime très fort. Moi aussi, je t'aime très fort. Et toi aussi, je t'aime très fort. On y aille, tu dois pas être en retard. Habille-toi. On y va. Tu cherches ta petite chérie? À mon avis, elle ne viendra pas aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait encore? Rien du tout. J'ai juste envoyé un petit mot à ses parents pour leur rappeler l'événement. Tu as quoi? Je te dis de pas t'inquiéter. C'est bon, Val, tu as la victoire. Cette fois, ça va trop loin. J'en ai marre de cette guéguerre. Je te quitte. Tu sais bien que tu peux pas me quitter. Je ne plaisante pas. C'est fini. Amuse-toi bien avec Jess. Alex! Laisse tomber, il te méritait pas. Et puis, tu peux avoir tous les garçons que tu veux. Allez, viens. Alors, t'as enlevé le boulet que tu traînais? Oui, mais je ne vois pas Chelsea. Et Val m'a dit un truc bizarre. Elle t'a dit quoi? Qu'elle a rappelé la fête d'aujourd'hui à ses parents. Mais je vois pas le rapport. Comment elle a pu être au courant? C'est vraiment qu'une sale peste. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ses parents lui avaient dit non. Ils ne voulaient pas qu'elle fasse le concours. Ça change de vous voir comme ça. On ne dirait pas les mêmes personnes. Je peux avoir les candidates sur scène, s'il vous plaît? Chelsea. Ah, vous n'êtes que quatre? Où est mademoiselle Ryan? J'ai entendu dire qu'elle ne pourrait pas venir. Oh, quel dommage. Il semblerait qu'il manque une candidate. Il semblerait que non. Bonne chance. Mademoiselle Ryan, content que vous soyez là. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter celle que vous avez désignée pour défendre nos couleurs lors du concours national des jeunes filles modèles. Toutes ces jeunes filles ont travaillé dur pour se classer en finale et ont droit à notre plus grand respect. D'ailleurs, ça me rappelle un peu la première fois que je... Bon, rappel à l'ordre. Elle n'a pas tort. Place à la jeunesse. Salut Jess, ça fait longtemps. Ah oui, une éternité qu'on voit ce que vous voulez. J'ai vu un truc très intéressant hier. Steph l'a vu aussi. On voulait te le montrer. C'est quoi? Une fille qui se faufile en douce dans le secrétariat de l'école. Tu crois que tu la reconnaîtras? C'est trop tard, ils ont compté les votes que j'ai achetés. Figure-toi que non, parce qu'on a retiré les enveloppes. Madame King a été très compréhensive. Donc n'hésitez pas à vous présenter à nouveau.
Madame Smoothies va nous dire qui a été élue en troisième place. Bonjour. La troisième place a donc été attribuée à Christy Solomon. Merci. Merci. Madame Lagatz, voulez-vous nous présenter celle qui est en deuxième place? Alors, la deuxième place est attribuée à Valérie King. Non! Elle a triché! Mademoiselle, on ne porte pas ce genre d'accusation à la légère. Avez-vous la preuve de ce que vous affirmez? Elle a falsifié les chiffres, sinon elle ne serait jamais arrivée jusque-là. Chaque vote est recompté trois fois et vérifié par informatique. Il n'y a aucun moyen de tricher. Je trouve que votre réaction manque cruellement d'élégance. Je vous attends lundi dans mon bureau. La deuxième place va à Christy Solomon. Et la gagnante est Chelsea Ryan. À vous de m'avoir permis de gagner, mais je ne crois pas que je mérite ce prix. La gagnante des jeunes filles modèles se doit d'être irréprochable à tous les niveaux et j'admets que je me suis un peu laissée emporter par la volonté de gagner. J'ai menti et trahi mes parents et mon égoïsme a failli m'éloigner des deux amis que j'aime le plus au monde. Désolée, mais je ne pense pas en être digne. Il est vrai que cette compétition défend également certaines valeurs que nous n'interprétons pas forcément de la même manière. Chelsea, vous avez beaucoup travaillé pour ce concours. J'ai vu vos résultats scolaires. Tous vos camarades ont voté pour vous et votre idée de soupe populaire est la meilleure qu'on nous ait jamais proposée. C'est pourquoi, avec la permission de vos parents, bien entendu, je voudrais quand même vous remettre ce prix. Vous êtes d'accord qu'elle mérite de gagner? Oh oui. Oui. Oui, bien sûr. Et la gagnante est Chelsea Ryan. Trying hard to be somebody else is a job with no end. A world without friends, but when you finally realize where honesty lies, happiness resides. I'm giving it all away. I'm taking a chance to say that nothing's worth it if you're not yourself. Jessica, il y a certaines choses que j'aimerais bien que tu m'expliques. Je suis nulle, je vous ai vraiment négligée. Oui, t'es nulle, mais t'as deux amis géniales sur lesquels tu peux compter. Félicitations. Merci. Oui. Tu sais, je n'ai plus personne à raccompagner. What have you won?
if you lose yourself. Comment je suis arrivée là. Et c'est pourquoi je remercie ceux qui m'ont désignée et j'aimerais les représenter au mieux. C'est oui. Pour moi, c'est oui. Bienvenue en finale, Chelsea Ryan. Première, quatrième, deuxième. En début d'année, il me... Raté. À chaque début de nez, il choisit quelqu'un. Non, attends. Non, le non, récit... C'est pas prêt. Je vais recommencer. Voilà. Une voix, une sucette. Jusqu'au bout. Non, ne te retourne pas. Oups, désolé. Alex, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que ça va? Qui a osé? Il faut qu'elle fasse signer la feuille à ses parents et ils lui ont interdit de s'inscrire. C'est nul. On était tellement près du but, là. Non, mais c'est une blague. Ah, vous êtes prête à laisser tomber? Pourquoi c'est à moi de vous motiver? Comment je peux faire pour continuer? Coupez. Comment vous êtes devenue secrétaire? Je trouve ça absolument passionnant, non, pas vous? Je travaille là. C'est genre la fille la plus populaire du lycée, ils font ça tous les ans. C'est vrai, Chelsea? Non, ça n'est pas que la fille la plus populaire du lycée, la gagnante va à Washington. Coupez. Et bonne chance. Et pensez à ceux qui corrigent que j'ai encore oublié. Ah oui, il est super équilibré ton dîner. Oh, et Chelsea? C'est moi qui aurais dû avoir le premier rôle.